Bonsoir tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, du coup, hier, on s'est arrêté juste après avoir sauvé Midona. On a réussi à sauver Midona, du coup on peut se retransformer en loup à souhait. Il me semble qu'on avait fait quoi? On avait fait le jeu avec le grappin, puis ensuite on avait été voir la dame des insectes. Du coup on a récupéré une grosse macaron, je crois qu'il s'appelle. On avait récupéré une énorme bourse qui contient jusqu'à 600 rubis maximum. Il nous reste à aller voir la fameuse taverne. Je sais quoi c'est quoi ici. J'aimerais bien un jeu avec l'arc. J'adorais ça dans les anciens Zelda. Oh. Intéressant. Me semble qu'il y a une boutique un peu plus loin, non? Ouais, je peux pas aller ici. Je crois qu'il y a une nouvelle boutique sur la place Hyrule, ou alors c'est plus tard. Il semble que par là, non, là c'est un peu plus loin. Ouais, habituellement elle était à gauche, mais vu qu'on est sur la version GameCube, elle est sur la droite. C'est là? Non, c'est pas là. Ah, c'est ici. Monsieur, sauf votre respect, la vue de vos souliers maculés pourrait fortement indisposer nos autres clients. Aussi, vous prierai-je de revenir après avoir veillé à les faire lustrer. Lustrer mes chaussures? Ah, ici? Eh, monsieur, vos bottes sont sales. Si vos bottes sont sales, ça sert à rien d'être bien froqué. Ceux qui vous regardent observent aussi vos bottes. La preuve, ils vous ont pas laissé entrer dans le magasin pour coincer, là. Hein. Ça vous dit, je vous les brosse pour 10 rubis. Ça roule, je vais vous les faire briller, moi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Elles sont propres, hein? Si vous les salissez encore, je vous les brosserai à nouveau. Du coup, on a des chaussures toutes propres, on va pouvoir rentrer. Que puis-je faire pour vous? Puis-je vous montrer notre collection? Alors, t'as quoi à me proposer, mon gars? Donc, des bombes insectes. L'animal de concours au parfum d'aventure à la faveur des dames garantira des regards envieux. Ah, c'est ça que je veux. 100 000 rubis. Oh, bah oui. Bon, du coup, il n'y a rien d'intéressant. Je peux casser des trucs. Ah, j'aurais bien aimé lui détruire des pots dans sa boutique là de riche. Une boutique de luxe. Pas comme le menu du McDonald's. Hein. Bon bah la taverne. Arrêtez de faire des blagues pourries. La taverne, c'est par ici. Il semble aussi qu'il y a un truc à faire avec des gorons, non? Ils sont où les gorons? Ouais. Ces jours-ci, on ne reçoit plus d'eau thermale. Mon père reste planté près de la porte est, le regard perdu dans le vide. J'ai beau lui parler, il ne fait que soupirer, ça ne lui ressemble pas du tout. Ça continue comme ça, il ne sera plus bon en rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le mieux, ce serait de demander au doyen du village, mais avec mes petites jambes, je ne suis pas prêt d'arriver là-bas. Ouais.
Tiens, tiens, mais c'est Neroxys. C'est gentil à toi d'être venu, tout va bien? En tout cas, tu tombes bien, nous étions justement en train de parler de toi. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Un problème technique? Ben non, ça fonctionne, je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors, ce beau jeune homme là, c'est le fameux Neroxys dont tout le monde parle. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai parlé, ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule. En fait, il en manque un, il se passe des choses bizarres dans le désert à l'ouest, et il est allé voir de quoi il retourne. C'est un homme d'un âge un peu avancé, il s'appelle Lafrel. Si jamais tu le vois, tu devrais lui parler. Allez, maintenant que tu es là, ne t'enfuis pas comme un voleur, prends le temps de souffler. Pourquoi n'irais-tu pas leur parler? Ils sont tous très sympathiques. Bon, on va discuter avec ces gens. Ah, salut, tu dois être Neroxys, pas vrai? Je m'appelle Jed, content de te connaître. Thelma nous a raconté tes exploits, tu es vraiment très fort. Moi, je suis plutôt du genre rat de bibliothèque, et apparemment, tourner les pages ne développe pas significativement la musculature. Par contre, j'en connais un rayon sur l'histoire d'Hyrule et sur sa mythologie. Alors, si un jour ça t'intéresse, demande-moi. Eh bien, donc toi, tu es l'historien du groupe. Je suis Ash. Depuis mon plus jeune âge, je vis dans les montagnes où mon père, un ancien instructeur militaire, m'a enseigné l'art du combat. Les cours de courtoisie ne faisaient pas vraiment partie du programme, alors désolé si je suis parfois un peu brutal. Mais assez de blabla, j'ai quelque chose d'important à te dire. La montagne au nord d'Hyrule, le massif des pics blancs, ne ressemble en rien aux autres montagnes que je connais. Je n'en sais pas encore plus, mais ce n'est pas une montagne ordinaire, j'en suis sûr et certaine. Elle est sous l'emprise des forces du mal. Si je découvre quelque chose, je te préviendrai. D'ici là, ne t'en approche surtout pas. Moi, je fais ce que je veux déjà. Lui, parle pas. Je suis content de te revoir, Neroxys. Ma femme m'a fait savoir pour les enfants et je suis allé les voir à Cocorico. Ils m'ont bien sûr raconté tes exploits. Merci d'avoir sauvé Colin Neroxys. Il a beaucoup changé, je vais devoir me donner du mal pour être à la hauteur. Je ne peux plus rester les bras croisés. En fait, je connais les membres de ce groupe depuis longtemps. Pour le moment, tout comme eux, je rassemble des informations. Alors si j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Et ça, c'est la fameuse carte. En ce moment, la Frêle observe le désert depuis Nakilia. On va y aller. Je suis Link, le détective. J'enquête sur le mal qui rôde sur Hyrule. Wow, le son il est horrible. Toujours autour du château d'Hyrule, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Quoi ce truc là? Ah mais c'est ma cam. J'ai déjà accueilli un invité au château. Cela veut dire qu'il manque 23 invités pour pouvoir ouvrir le bal. Je vous en prie, continuez vos efforts pour qu'ils aient tous un partenaire. Bon, et ça, c'est le Goron. Hey, tu es l'humain? Le Fortiche et les autres Gorons m'ont raconté tes exploits. Tu as vu cet éboulis? Incroyable. Il y a eu un affaissement de terrain. En fait, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Tu veux passer par là? Avec une petite gorgée d'eau thermale pour me donner des forces, je n'en ferai qu'une bouchée. Si tu retrouves de l'eau thermale, reviens me voir. Alors peut-être que j'ai moyen de... Je vais me téléporter. Du coup, s'en remettront. Oh là là, je peux même pas me téléporter à cause de la fille qui regarde et puis... Bon. Je sais pas si c'est le jeu qui ralentit parce que... Enfin, ça bug. Ou si c'est le son qui bug. Est-ce que je peux là? Ouais, là je peux.
Ça, c'est les courges, le cocorico. Cocorico, c'est là. Ah, salut Yogachi, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir, tiens. Alors, où est-ce que je vais aller? J'ai besoin d'eau thermale. Il me semble que l'eau thermale se trouve à Cocorico, tout en haut. Ils ont essayé de leur donner une petite personnalité, genre de bourru, etc., qui ont des difficultés à parler. Un petit peu comme les personnages qui sont tout petits, tout mignons, les zozotes ou les trucs comme ça. Et puis en plus, je crois que c'est ici que je voulais. Ouais, c'est bien ici que je voulais. Alors, je vais me redevenir humain. Alors, je sais qu'il existe. Voilà. C'est ici. Je sais qu'il existe un moyen pour partir derrière. Yogachi, il faudra que je te pose une question après le stream. Faudra que enfin, je te parle d'un truc. Oh, j'y suis déjà allé? Ah non, 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 j'y suis pas allé. C'est ça que je veux. Là, on va faire péter ça. On va faire péter ça. Alors c'est simplement par présence, donc déjà ça, c'est quelque chose qui fonctionne uniquement sur Twitch, c'est pas quelque chose qui fonctionne sur YouTube. Et donc ce sont des points qui s'obtiennent, donc il y a plusieurs façons de les obtenir. La façon la plus simple... Oh, pas de soucis, bah, je te laisserai un message alors dans ce cas-là, je te laisserai un petit message sur Twitch ou par SMS, on verra. Et puis bah, quand t'auras un moment, on en parlera. Donc ouais, je disais, c'est un message. Donc c'est des points qu'on obtient. Enfin, il y a plusieurs façons de les obtenir déjà. La plus simple, c'est d'être simplement présent sur Twitch, donc sur la chaîne. On en obtient 4, non, 2 toutes les, non, 4 toutes les 4 minutes. Donc ça fait à peu près 1 par minute. Il y a aussi d'autres façons. Donc par exemple, de temps en temps, il peut y avoir un coffre qui apparaît sur votre lecteur. C'est une sorte de coffre au trésor. C'est un coffre qui est très rare. Et si, enfin, il apparaît pas longtemps, il est visible pendant 5 secondes ou quelque chose comme ça. Et si vous cliquez dessus, vous gagnez 100 points directement. Et ensuite, ces points, donc ils ont une petite utilité bien sympathique, c'est que en bas à droite de votre enfin de la vidéo en gros, vous avez un petit logo, un N. Si vous cliquez dessus, vous avez différentes options. Et donc les deux premiers, ce sont des jeux que vous pouvez utiliser pour doubler vos points, un petit peu comme une sorte de casino si vous voulez. C'est des jeux avec des cartes, enfin je vous laisserai regarder si vous voulez. Et puis la troisième option, c'est pour utiliser vos points. Donc vous pouvez utiliser vos points pour différentes choses. Par exemple, vous pouvez me poser n'importe quelle question. C'est une question à laquelle je répondrai en privé par contre, à moins que ce soit, enfin, que ce soit quelque chose qui regarde tout le monde. Et si par exemple c'est une question privée ou quoi que ce soit, je vous répondrai directement en message privé. Et sinon aussi, vous pouvez offrir un petit bonus. Donc ça, c'est, enfin, je n'ai pas parlé encore, c'est un petit bonus pour toute la session. En gros, vous utilisez, je crois, c'est 550 points ou quelque chose comme ça. Et ça double les points obtenus lors du second stream. Enfin, lors du prochain stream. Donc si par exemple, la prochaine fois, je stream pendant 2 heures, au lieu de gagner 4 points toutes les 4 minutes, tout le monde gagnera 8 points toutes les 4 minutes. Grâce à la personne qui aura payé ce bonus. Voilà. Alors, Wow, qu'est-ce qu'il dit lui? Je savais que tu viendrais depuis Belle Lurette, mais dis-moi, aurais-tu vu l'un de nos fils dans la citadelle? Il paraît qu'il a des soucis. Il doit être immobile depuis qu'il est à court d'eau thermale, mais avec le pont de la porte est dans ce triste état.